Salut tout le monde, c'est Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Et aujourd'hui je vais vous montrer les gens tout simplement comment avoir une tenue qui est à peu près la mienne. Donc avec des bras, avant-bras invisibles plutôt. Donc pour faire ceci vous devrez vous rendre dans un magasin de vêtements. Vous irez dans les hauts. Vous achèterez le haut, le gilet drapeau vertical, donc américain. Il faut l'avoir acheté avec la mise à jour de l'indépendance. Quand ce sera fait, vous irez dans les chemises pour gilet et vous prendrez la chemise dandy noire. Quand ce sera fait, vous quitterez les hauts et vous irez dans style, accessoires. Vous irez dans les montres, voilà montre, et vous ferez soit droite, soit gauche. Donc moi je vais faire gauche. Ensuite vous irez dans les gants et vous ferez soit droite, soit gauche. Moi je fais gauche. Et voilà, j'ai une tenue avec des bras, avec des avant-bras plutôt, invisibles. Donc tout dépendra des gants que vous avez achetés. Par exemple moi j'ai fait à gauche, j'ai eu les gants chirurgicaux blancs. Si j'avais fait à droite, j'aurais eu des gants de cuir noir. Par contre, je vous préviens les gens, vous ne pourrez pas changer de gants, sinon ça vous remettra les bras visibles. Et je ne pense pas que vous pourriez changer de haut, je n'ai pas vérifié avant la vidéo. Alors voyons, dans les polos par exemple. Non, dans les débardeurs, non. Et dans les t-shirts. Non plus, voilà, vous ne pourrez pas changer de haut, vous serez obligé de garder celui-là. Après, je pense qu'on peut changer de chemise, de gilet, même pas. Vous serez donc obligé de garder une tenue avec cette montre et ce haut et aussi ces gants. Ensuite, vous pourrez changer le bas et la tête. Et donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un like, mettre un commentaire et vous abonner, c'est le plus important. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.